Leur statut de joueur de la Coupe du Monde le veut. Donc c'est l'économie du foot qui le veut. Donc moi je trouve ça tout à fait normal. Ils sont là-bas pour jouer au foot, ok. Mais après, bon, il n'y a pas que le foot, il y a tout ce qui va avec, les sponsors, etc. Et c'est le milieu du foot qui veut tout simplement ça. C'est très choquant. D'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui sont actuellement dans la misère. Et je pense qu'il faudrait revenir à des valeurs beaucoup plus réelles. Il faut arrêter de polémiquer et se concentrer sur le jeu. Et je trouve qu'on n'a pas besoin de parler d'argent ou d'incriminer ceux qui en gaspillent plus ou pas assez. Cette histoire sur l'hôtel des Bleus, moi je préfère voir ce que fera les Bleus sur le terrain. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est la capacité de pouvoir jouer, de faire de bons matchs et d'aller le plus loin possible en phase finale de la Coupe du Monde. Ah, de toute façon pour eux 500 euros je pense que c'est pas très cher vu ce qu'ils sont payés. Mais ils devraient se le payer eux-mêmes, ce serait pas plus mal après tout.